Why you look so mad? Pull off of the car lot. Push button at hard top. Las Vegas at the hard rock. You can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse. Still a player with the pent mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. I've been pushing. I go fast, go fast, go fast. Bienvenue ici en direct du centre d'entraînement. Le coach nous a rejoint aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour. Ça va Très bien et vous Très bien. Ça, ça va bien. David Ça va, ça va. Demain, septième journée de Ligue 1, deuxième match consécutif du côté du Parc des Princes où on espère consolider notre invincibilité à domicile. Du coup, bah, coach, je repense un petit peu au dernier match. On a parlé en après-match. Comment est-ce qu'on fait pour retomber un petit peu tout en savourant quand on vit des matchs comme ça, des ambiances comme ça, une compétition pareille et un résultat pareil Bon, on savoure quelques heures. Les joueurs ont dû évidemment l'apprécier, mais euh, ils ont eu une journée de repos derrière le match. Après, nous, les, les entraîneurs, on est vite projeté sur le calendrier et donc la réception rapide de Brest. On a savouré euh, voilà, quelques heures pour vite analyser ce qui a été bien fait contre la Juventus, ce qui a été un peu moins, moins bien fait. Et donc, amener des corrections pour en parler aux joueurs et montrer aux joueurs. Et vite se projeter, vite vite se projeter sur notre match de championnat. Championnat du coup face à Brest, un 17ème de Ligue 1, premier relégable. Est-ce que ce est pas le piège finalement Je sais à quel point l'état d'esprit vous comptez là-dessus. C'est important surtout de ne jamais se relâcher, même face à une équipe qui joue le bas du classement Non, non on ne peut pas se relâcher. Euh, quand on est au Paris Saint-Germain, on est dans l'obligation de résultats, l'obligation de gagner. Euh, donc euh, on a maintenu notre exigence euh, derrière les jours qui ont suivi euh, notre belle victoire face à, face à la Juventus, avec voilà, beaucoup d'exigence, beaucoup de, de précision dans le travail, avec euh, quasiment tout le monde sur le terrain. Et ce matin, euh, on a fait une séance très intéressante, où tout le monde était très à l'écoute et très, très projeté sur le match de, de demain. Elle m'intéresse du coup la séance de ce matin j'ai vu une stat chez nos confrères d'Opta. Euh, Brest est l'équipe qui a marqué le plus de buts de l'extérieur de la surface. Ils nous ont déjà marqué trois depuis le début de la saison. Aucune équipe ne fait mieux en Ligue 1. Est-ce que c'est le genre de petits points sur lesquels vous accentuez, par exemple, à l'entraînement de ce matin, ou est-ce qu'il faut être réaliste et se dire que trois jours, ça ne suffit pas pour cibler tout ça Et ça va dans le sens de ce que vous m'aviez dit la dernière fois. C'est à nous d'imposer notre jeu et pas forcément d'aller chercher les, les qualités de l'adversaire. On doit imposer notre jeu, bien évidemment, mais euh, les joueurs ont besoin d'informations par rapport à un adversaire. Ils ont marqué 3 buts de l'extérieur, ils ont marqué 4 buts sur coup de pied arrêté. C'est une des équipes les plus dangereuses. Et notamment sur ces 4 buts sur coup de pied arrêté, il y a des seconds ballons à l'extérieur de la surface que nous avons identifiés qui seront évidemment montrés avec un, position, un positionnement précis sur ces phases arrêtées. Très bien, merci, coach. Alors, attendez, parce merci on, coach. Avait, on avait Nantes-Paris en, en entrée, on a eu la juve en plat de résistance. Voilà. Et... Bah, c'est le Paris-Brest. C'est ma petite tradition. Ils ont eu droit à leur ce matin. donc euh, C'est votre premier Paris-Brest avec nous. C'est très gentil et je vais y mettre une bougie pour l'offrir à Danilo, ah oui à qui c'est son anniversaire. Aujourd'hui. Merci pour ce coach. coach. Bah, bonne dégustation pas, à Danilo. Tu pas préparé. Hein <laughs> pas pas <du> tout, tout. <laughs> ah, c'est ma petite surprise en plus. Merci. Bon appétit, coach. Bonne, bonne conf. Vous, vous bonne y allez conf, avec. hein coach. À la conf. <laughs> bah <ouais>. Ça évite <laughs> de dire les bonne conférence de presse. <laughs> with pleasure. <laughs> so that was Coach Christophe Gauthier ahead of tomorrow's match at Brest. Let's do the quick translation for you guys. The first question was How do you enjoy the match and atmosphere like the Champions League against Juventus without getting carried away? How do you bring the guys back to the level ground? He said, Of course, it was very difficult because it was a very exciting match. Um, we were very happy with how we performed, but we know that we needed to start to focus on Brest just a day after, so we needed to start analyzing that match. The next question was about: Breasts only have one win thus far in the season, but when you're on top with PSG, you can't relax. It can be seen as a banana skin. I said, Yeah, well, look, it can be seen as a banana skin because, but look, uh, they're in 17th place, but coming into this game, we cannot drop our demands. We need to keep playing at the same level, keep doing the same things that we've been doing up until this point. Lastly. <sighs> <Yeah. laughs> One continue, more. <laughs> more. Brest have scored. Uh, I'm gonna point it out. The Brest have scored three goals from outside the, the, the box this, this season thus far, and no team has been able to do that. No team has done that more. Is that something that we need to focus on in training ahead of this match, or is it more so? Hey, look, we have a match every three days, so let's stick to our principles. Said of co of course, we have to focus on some of the things that Brest can do well. But most importantly, we just need to impose our game Nous, and focus on our principles, voilà. focus on the way that we play. Et c'est ce que nous espérons porter dans le match de demain. Bravo David, There bravo, c'est <laughs> bien, belle traduction, reprends ton souffle. Du coup moi j'en profite parce que si vous n'étiez pas avec nous ce matin lors du quart d'heure de l'entraînement, premier point c'est que vous pouvez le voir en replay sur tous nos réseaux. Le deuxième c'est qu'un point médical est tombé, on avait constaté l'absence de Renato Sanchez. Alors désormais on le sait, il était victime d'une lésion aux adducteurs droits, donc il sera évidemment absent pour la, pour la réception des Brest 3. Il va rester ici en soins au centre d'entraînement et on fera un nouveau point Yeah, just before the training, it looked like we thought we might have a full squad with no suspensions and no injuries, but the the medical point has come out, and it seems Renato Sanchez will be out of tomorrow's match for mm us. -hmm. Brest looks like he will most likely be out of that match against Haifa, but we will eva we will reevaluate him in ten days. Coaches coach coaches there. Coach there. We'll let you listen. <laughs> Il n'y a pas eu de jeu direct là. Non, non, Bonjour Christophe. Bonjour. h pour Beur FM. Vous avez collaboré avec Pierre Gauthier, préparateur mental, en utilisant la méthode d'accéder. Êtes-vous toujours en contact avec lui Et quels sont les leviers que vous utilisez dans la gestion de votre groupe, notamment avec les joueurs qui ont très peu de temps de jeu depuis le début de la saison, comme Navas Oui, j'ai euh, collaboré avec euh, Pierre euh, concernant tout ce qui était euh, sur la préparation mentale sur euh, tout d'abord sur moi, sur un plan personnel, ce qui est très important. Et ensuite euh, essayer de d'avoir beaucoup plus d'outils et beaucoup plus de, de clés pour euh, dans les échanges entre, euh, entre le joueur et et moi-même, de trouver euh, rapidement euh, les différents accès pour qu'on puisse avoir une relation euh, euh, très ouverte, très zen, où, il peut, où on peut éviter les non-dits, où on doit échanger, partager. Et euh, c'est surtout sur cela que, que j'ai euh, collaboré avec, avec Pierre, qui est, euh, qui est très performant dans, dans ce domaine. Alessandro Grandes, gazzetta dello Sport. Je voulais avoir votre avis sur la prestation de Gianluigi Donnarumma lors du de, 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 de dernier match. Il y a eu pas mal de critiques après dans les médias et savoir si vous avez justement l'intention de, en reprenant la question du collègue, peut-être faire du vert avec Navas. Merci. Turnover à ce poste-là Non. Me concernant, je ne suis pas ce genre d'entraîneur à faire un turnover au, au poste de gardien. On oublie souvent que Didio est un jeune gardien quand même, même s'il joue depuis un certain moment. Et on oublie souvent, euh, du moins, euh, évidemment qu'on a relevé euh, un, une mauvaise appréciation d'une trajectoire sur un corner, qui a une incidence évidemment importante, c'est un but. Mais le... Je préfère aussi euh, retenir les deux arrêts décisifs. et il a deux gros arrêts décisifs à faire. Et là, il a été très présent. Alors évidemment que j'en ai parlé avec lui et que je souhaite, moi, avoir toujours un gardien euh, mm, qui sorte sur les coups de pied arrêtés, qui qu ait beaucoup de présence dans le domaine aérien. Il a, il a le physique, il a la qualité technique, il a le jump. Euh, et je ne veux pas que ça le freine, je ne veux pas que cette erreur d'appréciation sur ce corner euh, le freine sur ce que je veux voir de, de Voilà. Euh, mais pour répondre précisément, il n'y aura pas de turnover euh, au poste de, de, de gardien. Et ensuite, je veux aussi relever les deux parades qu'il fait qui, qui font que... Il fait deux arrêts décisifs, très difficiles. Christophe, bonjour Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal. Est-ce qu'il faut un turnover pour euh, ré régénérer l'équipe avec les échéances de la Ligue des champions et le championnat Moi c'est le terme. turnover ne me plaît pas trop, mais bon, c'est comme ça. Mais euh, il faut de la fraîcheur évidemment. Il faut euh, et il y en aura automatiquement puisque j'ai un effectif. Euh, qui est prêt, qui est à ma disposition, qui est un effectif de qualité, même s'il si manque des repères, par exemple pour Fabien Ruiz, il manque des repères pour, pour Carlos Soler, qui sont arrivés très tardivement, euh, qui sont arrivés finalement à 4 jours d'un match de Champions League, donc il manque des repères dans, dans le jeu, puisque nous avons quasiment peu de, très peu de séances pour travailler sur un plan tactique, mais évidemment qu'il y aura... Euh, il y aura ça, ça ne sera pas le même 11 de départ que, que face à la Juventus, comme le 11 de départ euh, à IFA sera différent du 11 de départ de, de Brest. Et automatiquement, il faut injecter de la fraîcheur pour faire en sorte de maintenir, un, tout le monde concerné, et deux, l'équipe performante sur un plan athlétique. Christophe, bonjour. Je voulais vous poser cette question, mais du coup, je vais vous en poser une sur Neymar et Kylian Mbappé. Euh, il s'est dit beaucoup de choses par rapport au fait que. Kylian aurait pu donner ce ballon de but pour 3-0 contre la Juve. Comment s'est passée la relation entre les deux après le match et puis jusqu'à aujourd'hui Merci. La relation entre Ney et Kylian est très bonne. Et je ne vous fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices, ils sont souvent ensemble dans les échauffements. Euh, oui, il y a eu cette situation de match. Euh, cette situation de match. Et pour en avoir échangé hier avec Kylian, qui je pense, je pense, en a, en a parlé avec Ney, mais pour en avoir, moi, échangé avec, euh, avec Kylian, il y a deux temps dans cette action. Il y a le, la première accélération où là, il y a peut-être une possibilité euh, de donner le ballon, mais à ce moment-là, c'est un peu plus difficile. Et il y a le deuxième temps où. Kylian fait vraiment la différence et qui rentre dans la surface de l'opération où Kylian ne voit, ne, ne, voit pas, ne voit pas Ney. Après, évidemment, quand on voit les images, tout paraît simple. Il y a deux secondes où il faut prendre une décision et Kylian est focus sur son ballon pour, pour, pour frapper. Mais euh, euh, je suis convaincu que Kylian va faire encore des passes décisives, fera des passes décisives à Ney comme Ney évidemment, est capable de faire des passes à Kylian et euh, je n'ai rien ressenti euh, depuis le match euh, de négatif par rapport à cette action de jeu. Bonjour coach, j'aimerais parler des, des deux dernières recrues arrivées, c'est-à-dire Carlos Soler et, et Fabien Ruiz. Euh, dans quel état de forme sont-ils sont Est-ce qu'ils sont prêts peut-être à, à débuter un, un match comme celui de... De, de demain et dans, dans quel état d'esprit ils sont euh, et qu'est-ce que vous avez découvert de, de, de ces garçons depuis leur arrivée Merci. Ils sont déjà heureux d'être là. Ils, euh, ils avaient le souhait de, de venir nous rejoindre et depuis euh, un certain temps. Euh, concernant, je démarre par Carlos Soler qui lui euh, a du rythme. Il a fait une préparation euh, euh, normale. Euh, il y a dix jours il jouait son dernier match avec Valence. Donc il est dans le rythme. Il a simplement à découvrir à la fois ses partenaires et ce, qu ce que je vais lui demander sur le terrain par rapport à l'organisation. Mais comme c'est un joueur de haut niveau et très intelligent, ça va vite le faire et ça le fera très vite. Concernant Fabian, Fabian lui a eu une, une, finalement une préparation très contrariée puisqu'il a très peu joué et les dernières semaines... Les dernières semaines, puisque pensait, on pensait qu'il allait mieux nous rejoindre plus rapidement. Les dernières semaines, il avait souhaité ne pas démarrer le championnat avec, avec son ancien club. Et de ce fait-là, il s'est entraîné à part pendant 15-20 jours. Donc il y a un peu de retard au niveau du rythme, puisqu'il est sorti du groupe pendant 15-20 jours et qu'il s'est entraîné quasiment seul. Mais... Voilà, c'est en sa préférence évidemment qu'il travaille un peu plus que les autres, lui pour euh, trouver rapidement euh, un rythme plus soutenu et plus élevé. Mais euh, bien évidemment qu'ils sont susceptibles euh, et disponibles pour démarrer le match demain. Oui. Bonjour Christophe, Romain Arand de la chaîne L'Équipe. Je vais parler du turnover aussi. Est-ce qu'il est envisageable face à Brest que Messi, Neymar et Mbappé, les trois en même temps, euh, soient au repos Non. Oui, euh, j'essaie d'être le plus clair possible. <laughs> des trois, Comment C'est possible. Christophe, bonjour. Euh, Arnaud Hermand, l'équipe. Est-ce que il peut y avoir aussi des un turnover peut-être tactique en, en défense demain C'est le mot à la mode, turnover. Non. Donc une fois j'ai dit non en défense, on me dit, et au milieu Parce que vous avez fait ça finalement. Hein oui. Non. Bonjour Christophe, oui. euh, David Oposinski du Parisien. Euh, justement par rapport à ces remplaçants, ceux qui sont actuellement remplaçants et que vous allez intégrer petit à petit, comment vous girez sur l'ensemble d'une saison Comment on peut gérer des, des, des joueurs qui ne font pas partie de ce qu'on appelle l'équipe type euh, qui débutent euh, la plupart des matchs voilà. comment euh, vous allez pouvoir discuter avec eux, on parlait de l'aspect la, mental et comment les maintenir concernés mais sur la durée quoi. Ouais. moi je n'utilise pas les remplaçants mais euh, moi, je les appelle les entrants c'est beaucoup plus euh, positif que remplaçants. tout d'abord euh, il y a les discussions quand vous constituez un effectif et quand vous êtes en Contact avec des joueurs pour leur dire clairement quelle est la situation et ils rentrent dans un effectif de très haut niveau avec une concurrence très élevée et, et que ils, ils, se, ils, ils savent déjà que, que avec telle concurrence quand ils arrivent il va falloir ça va mettre du temps avant de, de s'imposer s'ils doivent s'imposer et comment s'imposer mais après il y a aussi la réalité de notre calendrier avec cette, cette année avec la Coupe du Monde au milieu, un calendrier très compact. Ils savent aussi qu'ils vont jouer des matchs. Ils vont rentrer en cours de match, ils vont démarrer des, des matchs. Et là, c'est à moi à, avec mon staff, mais aussi avec mon staff médical, de voir à quel moment on peut, euh, on peut intégrer 4-5 joueurs euh, euh, sur un coup d'envoi, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de démarrer. Euh, ça paraît beaucoup, euh, j'ai vu que de mes collègues, notamment l'entraîneur de Marseille, est arrivé à le faire contre Auxerre avec 7 joueurs. Euh, ce qui me paraît, moi, beaucoup, mais il est arrivé à le faire. Voilà, il faut le, le, évidemment les en, en, leur donner espoir, leur donner l'envie et maintenir une certaine motivation pour exister et faire, de, faire partie de cette aventure que doit être cette saison avec le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, il y a des échanges. Euh, souvent, euh, les joueurs parlent aussi euh, plus facilement avec mon staff ou avec mon staff médical et les informations me remontent de manière plus euh, posée parce qu'il y a de la déception, il y a de la frustration, c'est pas de la déception, il y a de la frustration, non pas de la colère, mais il y a de la frustration et il faut évacuer cette frustration à travers le dialogue mais aussi à travers des actes, c'est-à-dire qu'un joueur est heureux quand il est sur le terrain. Voilà. Bonjour Mourad Sefiane pour la source parisienne. Ici petite question tactique. Je voulais revenir sur la défense à 3 qui apporte beaucoup de, de bénéfices. On a vu contre la Juve en deuxième mi-temps qu'il y avait une baisse de régime. C'est très énergivore. Est-ce que vous en avez parlé après le match Est-ce que éventuellement vous pensez à un deuxième système en cours de, en cours de saison pour éventuellement switcher Oui, on a une... oui j'ai une réflexion plus qu'une réflexion. Oui, il y a une deuxième, un deuxième système. Ayant revu le match euh, plus qu'une fois que, euh, de Champions League, euh, il y a l'impression que ça donne euh, un, instant, un instantané en visuel, et puis après il y a la réalité du match quand on le revoit. Euh, évidemment à partir du moment où on n'a pas marqué à la 48e minute et à la 52e minute, et que, pas, et que la Juventus marque, évidemment ça redonne espoir, et c'est ça. Mais... Malgré cela, on n'a pas concédé énormément de situations, heureusement, et nous en avons eu encore des de, de situations. Ce n'est pas lié, euh, évidemment que c'est des matchs à haute intensité, qui demandent beaucoup d'efforts, et que c'est énergivore, évidemment, mais ce n'est pas lié simplement à la défense à trois. Et euh, en ayant euh, bien revu les, le match, c'est ça, il y a peut-être aussi à avoir, peut-être en présence d'esprit, d'injecter de, de la fraîcheur. Tôt, en deuxième période. Bonjour Christophe. Arthur Perro, RMC Sport. Euh, le mercato parisien s'est définitivement clôturé hier soir avec le départ de Mauro Icardi. On sait que jusque dans les derniers jours, le club a essayé de se renforcer défensivement et offensivement. Est-ce que vous espérez déjà que ce sera le cas lors du mercato hivernal qui, on le sait, est toujours un peu particulier au niveau des, des transactions, notamment des arrivées Merci. Vous, vous êtes déjà projeté sur le, le mercato hivernal. Euh, moi, pas du tout. Euh, je pense qu'évidemment que la direction technique et notamment Luis, avec Louis Campos, avec notre président, évidemment, doivent échanger déjà sur, pour anticiper, et, euh, et anticiper beaucoup de choses par rapport euh, au, au, à ce mercato hivernal. Après, euh, moi, je suis vraiment euh, maintenant match après match euh, là-dedans. Euh, Est-ce qu'il y aura des départs, des arrivées Je, je, je n'en sais rien. Ce qui a été fait euh, a été assez bien fait. Euh, il était important aussi que nos joueurs, euh, que les joueurs sur qui je ne comptais pas par rapport à mon modèle de jeu et par rapport à dire différentes choses, aient pu trouver euh, un club pour jouer, pour avoir du temps de jeu. Euh, beaucoup sont prêtés, donc susceptibles de revenir la saison prochaine. Et, et s'il devait revenir la saison prochaine, évidemment, ça serait plus intéressant avec un temps de jeu élevé. Je sais que Mauro, ça s'est fait dans les dernières heures de la clôture du mercato en Turquie. Et j'espère je, qu'il sera heureux là-bas et qu'il va retrouver du temps de jeu très élevé pour être performant. Merci à toi. Merci. Merci. Et voilà, David, c'est tout pour la conférence de presse du coach Christophe Galtier. Prendre match après match, il l'a dit, bah, ça tombe bien parce que le premier, ça se passera du côté du Parc des Princes face au Stade Brestois. Il a dit beaucoup de choses dans cette conférence de presse, David. C'est vrai, c'était Christophe Galtier's press conférence avant ce match versus brest tomorrow Quelques sujets à discuter. La première chose qu'il a demandé, c'est la rotation. Il a dit, je like pas word rotation, mais nous avons une qualité et une versatile squad. To keep the team fresh, not necessarily rotation, but he did say maybe tomorrow you can expect a few changes. Oui, en fait, lui il n'aime pas parler de remplaçants. Il aime parler d'entrants, a dit euh, le coach. Et donc c'est important pour lui d'injecter, c'est vrai, du sang frais, des jambes fraîches. D'ailleurs, il a parlé du match de la Juve. Peut-être qu'il aurait pu euh, faire rentrer des des, des joueurs avant. C'était l'analyse, en tout cas, qu'il en a tirée lors de cette conférence de presse. Attendez. On a quand même une victoire d'eux hein, face à la Juventus, nous c'est ce qu'on a envie de, de retenir. Mais il a beaucoup parlé de fraîcheur dans cette conférence de presse. La fraîcheur mmh. évidemment euh, des joueurs, notamment il faut les faire rentrer, il faut impliquer tout le monde, il faut également garder une fraîcheur euh, physique. Il a parlé des recrues aussi, Fabien Ruiz, yeah. Carlos Soler, des joueurs qui ont besoin à deux niveaux différents eh bien de poursuivre leur préparation chacun pour eux aussi intégrer. Brest Yeah, speaking about that midfield, as we mentioned just before, Renato Sanchez is out of tomorrow's oui, match. He'll be re-evaluated in about ten days. But he was also asked about Carlos Soler and Fabian Ruiz, the new recruits, how they're fitting into the team. He said they're both very happy to be here. They're just getting up to the rhythm of the squad, getting up to the rhythm uh, of Liga, the rhythm of being here in general. mais get up to rhythm, ils vont start to feature more. Voilà, et on le sait, on le connaît, Christophe Galtier, il est beaucoup dans la communication, dans l'échange avec ses joueurs et c'est ce qu'il a dit. Dès que les joueurs arrivent, ils savent déjà beaucoup de choses à la fois, leur statut, leur place dans l'effectif, comment ça va tout va s'organiser et d'ailleurs il l'a dit le 11 de départ face à Brest ne sera pas le même que celui face à IFA, ne sera pas non plus le même que celui face à la Juve ni face à Toulouse enfin bref on a compris le système il est désormais temps pour lui eh d'injecter de plus en plus de joueurs des fois essayez pourquoi pas trois ou quatre joueurs même dans le 11 de départ D'accord, et puis en plus, ces systèmes, bah, a priori, marchent plutôt bien parce que le Paris Saint-Germain reste sur quand même huit matchs depuis le début de la saison. Aucune défaite pour les rouges et bleus. Yeah. Six matchs en Ligue 1, jusque-là, tous les feux sont au vert. Un premier titre lors du Trophée des Champions, une première victoire pour le premier match de la phase de groupe de Ligue des Champions. Si vous êtes vraiment à côté de la plaque et que vous avez raté le match face à la Juve, je vous conseille de vous faire un replay. L'atmosphère, elle est quoi That's right, no, yeah. no defeats heading into match day 7 in Liga. 5 wins, 1 draw thus far this season. And against Brest, it's a team that hasn't won the Parc des Princes since ah. 1981. Bah, exactement, c'est-à-dire que cette équipe n'a plus gagné depuis 1980 au Parc des Princes, c'est dire nous n'étions pas nés. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Bah, ça tombe bien, on vous donnera rendez-vous demain du côté des par du Parc des Princes. Avec David, on sera en live comme d'habitude dans Kickoff pour tout vous dire. Les stats, on va décrypter l'adversaire, on va parler de nous, on va revenir évidemment en long, en large, en travers <laughs> sur le match de la Juventus, on va tout vous dire pour cet avant-match de la 7 journée de Ligue. David, euh, simplement un petit mot pour Danilo. Aussi. Yeah, on yeah. on le souhaite un joyeux anniversaire quand même. Happy birthday again to Danilo. That's a birthday shout out. We should have given him the cake. Hopefully, the coach yeah, took it to exactement. him. Exactement. Et une pensée d'ailleurs, parce que peut-être que je ne parle pas anglais aujourd'hui, mais j'ai quand même une pensée pour ceux qui nous suivent et qui parlent anglais. Et qui, euh, voilà, une pe pensée pour la reine Elisabeth qui nous a quittés. Oh, yeah. Also, bah oui. also, our condolences to Queen Elizabeth, of course. Yeah. Exactement. Bon, on repasse dans le foot, on repasse dans le sport. On vous souhaite à tous bah, un très bon week-end de foot. Je pense qu'on a tout dit. Yeah, that's savez? it for, ouais. us. We'll see you tomorrow for that round exactement. kick-off a little bit earlier the match is at 5 oui. in the afternoon tomorrow central european time so we'll see you a little bit earlier on the kick-off merci de le rappeler david C'est vrai que demain le match est à 17h donc soyez là tête ne soyez pas en retard du coup le kick-off vous avez compris deux heures avant eh bien on sera en bord terrain avec david pour tout vous dire demain ce sera pierre ducrot qui sera avec nous c'est ciao voilà. guys ciao